Oh yeah, moussaillon. J'espère que ça guette toujours pour toi, puisqu'on se retrouve pour le jour 8 et on va unboxer notre 8ème CD. Sur quoi allons-nous tomber? Mystère et boule de gomme. Bon, bah, je prends celui qui me vient en premier à la main. Il s'agit de la BO de Frères des Ours par Phil Collins. Alors, je ne sais pas si Phil Collins a tout fait, mais si, je vois du Phil Collins partout. Donc, je pense que ça a été fait par Phil Collins. Phil Collins, si tu ne connais pas, c'est un chanteur, il me semble, anglais qui faisait partie d'un groupe d'ailleurs à l'époque. Un petit peu comme Sting faisait partie du groupe Téléphone. Sting faisait partie du groupe Téléphone. Police. Téléphone. Oui, Sting dans Téléphone. Merci, mais non. Donc du coup, revenons à nos chers moutons et à nos chers oursons plus particulièrement. Et à Phil Collins, du coup, qui a fait les chansons de Frères des Ours. Il a aussi fait des chansons pour Tarzan. Voilà, il a fait pas mal pour les films d'animation Disney dans les années 2000. Et franchement, j'ai beaucoup aimé Frères des Ours. Donc, je ne pouvais pas ne pas avoir la BO de Frères des Ours. Dites à mes amis que je m'en vais. Nanana. Bref, j'aime beaucoup Frères des Ours et je ne pouvais pas passer à côté et ne pas avoir une petite BO de Frères des Ours. N'hésite pas à me dire si tu aimes bien Phil Collins, si tu aimes bien les Disney en général, si tu as aimé et vu Frères des Ours. Bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Nous, on se dit à demain. Bye! Pour une prochaine vidéo et un prochain unboxing de Noël. Et... Stay rock and roll.